Bonjour, ici Narissa, une grande sœur des arbres. Voilà, je fais cette vidéo pour vous faire part d'une petite expérience que je viens de vivre. Assez traumatisante, mais bon, pas pour moi. Disons que par rapport à la communication donc avec les arbres, j'étais en train de revenir en voiture, donc je traversais une forêt, et puis à un moment donné, bon, il y a une voiture qui a tournée devant moi, un peu plus loin, que j'ai rattrapée parce qu'elle était beaucoup plus lente, parce qu'elle a transporté derrière en fait une petite, je sais plus comment on dit, une petite charrette, enfin voilà, elle transportait des petits troncs, donc c'était vraiment des troncs d'arbres qui venaient d'être coupés ou qui étaient amenés hors de la forêt, donc pour être emportés, j'imagine, chez la personne. Parce que c'était vraiment un particulier hein, qui avait ce petit chargement. Et j'ai ressenti la détresse des troncs d'arbres quand je les ai regardés. Comme des enfants que l'on enlevait, qu'on arrachait de leur maman, de la forêt. Et ils avaient peur. Et je les ai rassurés. Je les ai vraiment rassurés en leur disant, bah oui, tout va bien se passer. D'essayer de, voilà, de parler au vivant dans le dans qui que j'entendais en fait dans le bois dans chaque tronc et c'était vraiment cette sensation très touchante mais vraiment comme si vous voyiez des enfants être enlevés loin de leur maman qui comprenaient pas qu'est-ce qui se passait et j'avais envie de vous partager ça parce que voilà, après j'ai beaucoup pleuré, j'ai dit que j'étais désolée, que j'avais rien pu faire, mais voilà, j'avais juste pu faire ça, les rassurer et leur dire que, leur expliquer un petit peu ce qui allait se passer, peut-être qu'ils allaient être transformés en meubles ou transformés en bois ou de chauffage, mais qu'en tout cas ils étaient au service des êtres humains et qu'ils en étaient grandement remerciés pour cela, mais qu'ils ne s'inquiétaient pas, voilà, qu'ils avaient été reconnus et. Voilà, la communication entre les humains et les arbres et la forêt doit être absolument rétablie. Donc si vous, ça vous appelle, ça vous touche, lorsque vous voyez un arbre qui a été coupé, lorsque vous voyez le désastre des forêts qui sont dévastées, eh bien imaginez le traumatisme pour les arbres eux-mêmes. Et vous, vous ressentez en fait leur traumatisme, vous êtes sensible à ça, donc vous avez aussi ce rôle de communicant, de rassurer. Voilà, ce nom m'a été donné, grande sœur des arbres, par un frère d'âme, chaman, qui a reconnu ceci en moi, et c'est vraiment ça, la grande sœur des arbres. Donc vous aussi, vous êtes aussi des frères et des sœurs des arbres, eh bien. Rétablissez la communication, rassurez-les, expliquez aux arbres ce que font les êtres humains, peut-être parfois inconsciemment, mais ce n'est pas contre eux. C'est vraiment parce qu'on a, en tant qu'être humain, un fonctionnement totalement inconscient, mais qu'en tout cas, ils sont remerciés pour leur service. Tout est en bois, et je regarde autour de moi, derrière moi, j'ai un meuble en bois, voilà, le bois est omniprésent. Hein, les arbres sont omniprésents dans notre vie, donc. On ne peut que les remercier. Donc, merci infiniment de votre écoute, de votre éveil, de votre partage. Et merci de diffuser eh bien, cette vidéo au plus grand nombre de. Voilà, que ce soit des ados, les enfants sont très sensibles. Peut-être leur montrer que c'est possible, peut-être qu'ils parlent aux arbres, qu'ils grimpent dans les arbres. Et pareil, je sais que ma fille, elle essaie de faire un petit peu l'éducation de tous les autres enfants qui parfois donnent des coups de pied dans les arbres ou un petit peu maltraitent. Donc de leur dire, mais attention, là, l'arbre est vivant quand même. T'imagines si on te donnait un coup de pied, qu'est-ce que ça te ferait? Tu serais pas content. Ben, sauf que toi, tu peux te défendre, l'arbre, il peut pas. D'accord? Donc voilà, rééduquer autour de vous les personnes voilà, comme cela vous est possible. À un moment donné, on ne peut plus avoir le contrôle. Comme là, je ne pouvais pas suivre la voiture, lui dire non, non, arrêtez, remettez les troncs dans la forêt. Non, je dois être aussi dans l'acceptation de ce qui est. Et dans cet univers, nous avons libre arbitre.
Mais voilà, si on peut communiquer un peu plus comme ça, plutôt que de d'être en conflit, de vouloir protéger ou combattre sans remettre le lien de la communication, ben nous allons continuer comme ça à nous séparer entre les personnes inconscientes du vivant et des personnes conscientes du vivant. Absolument, c'est à nous, puisque nous sommes conscients, à rétablir, à accepter ce qui est. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est douloureux. Mais accepter que oui, il y a des humains qui sont inconscients, qui maltraitent par ignorance leurs prochains, que ce soit des arbres, que ce soit des animaux, que ce soit des autres êtres humains, par ignorance, par pour plein d'autres choses. Donc, ouvrez votre cœur à la compassion, ayez de la force, sachez ouvrir votre bouche quand il faut, et puis. Voilà, c'est dit ça aussi. On n'est pas que dans la gentillesse avec une intention d'amour. Moi, je ne suis pas non plus que dans la gentillesse. À des moments, eh bien, j'ai besoin de dire des choses comme il faut à d'autres êtres humains. Et parfois, eh bien, avec les arbres, je suis beaucoup plus. Ben, c'est un autre niveau de communication, vous en doutez. Donc voilà, merci de partager, d'aimer si vous avez aimé, si ça a résonné en vous. Et puis, ben, je vous souhaite une très belle communication avec le monde végétal, le monde animal, le monde minéral et tous les mondes vivants. Je vous embrasse très fort. C'était Narissa. À très bientôt.